c'était moi la première qui rentre au cégep, puis je me souviens que à la maison, l'éducation avait une grande, grande place. Ma mère est enseignante, puis pour mes parents, ben, c'était tout simple. Après le secondaire 5, il fallait encore que tu continues à t'ouvrir toutes les portes possibles, parce qu'on ne sait jamais. Les profs, il y avait eu Estelle, Évelyne, Benoît, Alain, ils s'attendaient à un certain minimum. Là, tu sais, je ne pouvais pas avoir 70 dans un examen. Sinon, ça a fait des points quelque part. Là. Ce que je me suis remémoré tout de suite sur le standard coché, c'était une phrase que mamie elle avait écrite sur le frigo, qu'elle avait mis sur le frigo. Elle avait découpé ça dans le journal local. Puis la phrase, ça disait encore bien plus que de l'intelligence et même du génie, l'excellence naît de l'effort. Au cégep, on avait des trous dans l'horaire, des fois des longues périodes dans la journée, puis on savait comment les occuper. Mais c'est là que j'ai appris, un peu comme Marc, il dit, à jouer aux cartes, à socialiser. C'était un petit cégep, tout le monde se connaissait, on avait vraiment beaucoup d'amis, puis la poutine était vraiment bonne, tout le monde l'aimait. Le prof de chimie était vraiment cool. En fait, elle nous a permis de décorer notre sarreau, de le personnaliser. Fait qu'on avait décidé de proposer un système tie-dye avec un atome dessus. Ça a passé le test. C'est vraiment un beau souvenir parce que, en fait, je vais me rappeler ce prof-là tout le temps, de par sa compétence, mais de par le fait qu'il était proche de nous autres et qu'il nous a permis de faire cette folie-là dans notre cours de chimie qui paraît un cours assez sérieux. Donc, c'est notre album des finissants 99. Bon, c'est ça, il y avait trois programmes là-dedans. Ça, c'était notre photo. Moi, j'étais échoué là-dessus. Ah, j'étais là, le plus grand. En fait, je me suis vraiment, vraiment rendu compte que le cégep de Mont-Laurier, c'était vraiment comme une famille. Au moment où je pense où mes enfants sont entrés au cégep eux-mêmes, à Mont-Laurier aussi. Et là, de constater que mes enfants avaient les mêmes enseignants que moi, j'avais eu. Puis là, ben les prochains, c'est les miens, en fait. Les prochaines. Ouais, c'est ça. Clara et Delphine qui sont en secondaire 4 et 5 l'année prochaine, ça s'en vient vite. Puis je réalise, en fait, que c'est un privilège d'avoir cette institution d'enseignement-là dans la région. Comme parent, tu sais, je réalise que mes filles, s'ils font le choix d'aller au cégep, ben, ils vont pouvoir y aller à Mont-Laurier. Mais assurément, le cégep permet d'offrir une qualité de vie, puis permet de donner le goût à des familles de s'établir ici.